Lundi 8 mars 2010. Le chantier sous la neige. Comme une tempête de neige. Notre patience a été récompensée. Il a fallu 3 mois de prière pour enfin voir de nombreux centimètres. Une dizaine déjà à 8 heures du matin. Une chapelle pleine de neige. Les machines et les pierres au fond, tout enneigé aussi. Et les ouvriers qui sont venus et qui repartent, car ils ne peuvent absolument rien faire.